Ce mercredi 30 novembre, les mamans reviennent sur Sister pour un second prime exceptionnel. À cette occasion, Johanna s'est confiée à Télé Loisirs sur sa plus grande fierté après ses quatre enfants, son histoire d'amour avec Vincent. Une vie de famille comme elle en avait toujours rêvé. Le 23 novembre dernier, les mamans étaient de retour sur Sister pour un prime exceptionnel, dans lequel Angelica, séparée de Tony depuis peu, mais aussi Pauline, plus heureuse que jamais avec Antoine, ont fait le bilan de leur vie un an après la diffusion du dernier épisode. Et elles ne sont pas les seules. Johanna, maman de Livio, 8 ans, et de Triplé, Dario, Gabin et Joy, âgés de 4 ans, a elle aussi pris le temps de regarder dans le rétroviseur. À l'occasion du second prime des mamans, un an après, diffusé ce mercredi 30 novembre, la maman de 4 enfants a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs, et de se livrer à cœur ouvert sur son couple avec Vincent. On se connaît depuis si longtemps, explique la candidate des mamans. Johanna ne se cache pas, la naissance de ses triplés a mis sa vie de couple à rude épreuve. Mais l'amour est toujours plus fort, la première année, ça crée un peu de conflit mais on a survécu. Pour rien au monde on échangerait notre place de parents de triplés. Et puis, on se connaît depuis si longtemps, on est un couple mais on est aussi un peu comme des frères et sœurs, explique la maman. Et de divulguer son secret pour raviver la flamme au quotidien, il n'y a pas de secret véritablement mais la communication est importante, la vie de couple sans les enfants et aussi notre intimité. Johanna et Vincent. Plus amoureux que jamais, Johanna a également donné quelques conseils pour ne pas tomber dans la routine. On profite des moments à nous quand les enfants ne sont pas là, ou quand ils sont couchés. On va se mettre un film tous les deux, plutôt que de se coucher chacun de son côté. C'est important de s'accorder ce temps à deux, explique-t-elle. Et lorsque sa maman ou sa belle-maman se propose, Johanna prend la fuite avec Vincent. On arrive de temps en temps à partir 3 ou 4 jours en voyage en amoureux ou avec des amis, ça si est-il le top, nous confie-t-elle. À consommer, sans modération. À lire aussi La ferme a tout détruit entre nous, Pauline, les mamans, un an après, se livre à cœur ouvert sur sa rupture difficile avec François Maxime.